Donc là, on est... Quel jour on est? On est lundi... Dimanche! On est dimanche! Le 21, je crois. 21, Anthony? Ou le 22? Le 21. Puis là, qu'est-ce qu'on a? Qu'on s'en va faire? Dans le fond, là, il est à peu près... Il est quelle heure? Il est moins de 2 heures. Puis on n'a pas dîné. Puis là, Anthony est comme, est-ce qu'on va dîner au restaurant? Je suis comme... Bonne idée. On va dîner au restaurant. Puis, on a plein de commissions à faire. Dans le fond, tout est proche d'ici, mais on ne peut pas faire tout d'un coup parce qu'on ne va pas avoir assez de main. Fait qu'on va aller dîner. Ensuite, on va aller au Dollarama, à la SAQ, à la fromagerie. On va revenir ici. Puis après, on va aller au IGA pour acheter tout pour les desserts et tout ce qui manquerait comme pour compléter. Qu'est-ce qu'on veut faire pour le souper de Noël? Puis là, je me suis maquillée parce que ça me tentait encore d'utiliser ma Naked 3. Parce que j'aurais pu juste pas me maquiller. Là. Fait que j'ai encore utilisé la Naked 3, puis je l'aime juste trop. Puis j'ai juste mis une boucle vite vite. Puis c'est ça. Veux-tu dire quelque chose, Anthony? Non, je veux pas. Pourquoi? Parce que ça ne tente pas. Tu penses sur tout le monde. Bonjour. Fait que. On s'en va manger. Qu'est-ce que tu manges, bébé? Un dingue avec ta poutine. Moi, j'ai pris une poutine italienne. C'est dans mon Une restaurant petite préféré. poutine italienne. Mais grosse, quand même. C'est dans mon restaurant préféré, en plus. Ouais, c'est quoi? En fait. Donc là, on est revenu du Dollarama SAQ et fromagerie. Et que je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Mais pas tout de suite ce qu'on a acheté au Dollarama parce que, dans le fond, on retourne tout de suite pour aller au IGA. Puis le sac du Dollarama, j'ai pas sorti les choses, mais j'ai sorti les autres pour vous montrer. C'est les 3 fromages qu'on a pris à la fromagerie. Puis on va en acheter d'autres. Ben, peut-être un autre comme au IGA. Donc, on a pris le Saint-Paulin. Puis, en fait, on a goûté à aucun d'entre eux. Ouais, à part le Brie, là. Fait que, on sait pas si on aime ça. Ouais, fait qu'on a pris Saint-Paulin. Ben, en fait, moi, j'aime vraiment les fromages au Tony. Fait que lui, il était. Combien qu'il était? 4,95. On a pris le Gouda. Celui-là, c'est gris Claude. Fait que lui, il était 5 et 10. Et on a pris celui-là. C'est le Brie. Le Brie régulier, là. Il y en avait un autre, genre double crème, là. Ça, puis lui il était 4,70. Puis là, on va en acheter comme un autre, là, sûrement un autre sort de fromage. Ça, c'est ce qu'on a pris à la SAQ. Donc, j'étais tellement déçue okay, parce que moi, j'aime pas tant l'alcool. Genre, j'aime les Bloody, c'est sûr, puis ça reste pas mal là. J'aime pas tant ça. Puis je voulais une alcool qui était, c'est une bière, ça s'appelle Mort Subite. Okay, puis ça goûte la cerise. C'est vraiment, vraiment bon. C'est fait de vrai jus. Puis il a dit que c'était en rupture de stock depuis 2 mois. C'est comme, bon, ok. Fait qu'Anthony, dans le fond, il a pris Bacardi. Puis, ok, je sais que vous êtes plusieurs de moins de 18 ans à écouter mes vidéos, mais là, c'est pour Noël, puis on invite du monde. Donc, il faut de l'alcool pour faire des drinks. Donc, puis on a pris la grosse bouteille de Smirnoff avec ben, la vodka, puis avec les 2 petits verres. Hein. Puis, ok, comme je l'ai dit, moi, j'aime juste les trucs aux fruits. Fait que, je sais pas si c'est bon, là, j'ai jamais goûté à ça. Puis c'était Wild Vines. En fait, c'est écrit boisson au vin à saveur de fraise. Que c'était vraiment pas cher, ça. C'était comme 7,95. Puis ça, c'était. Attendez, j'ai la facture. La truc aux fraises, c'était 7,95. 32 $ le Bacardi. Puis la vodka, 34,75. Mais c'est des noms de bouteilles, là. En tout cas, c'est ça. Fait que là, on s'en va au IGA. Allô tout le monde. Donc là, je reviens du IGA. Il est 5h45, puis oh mon Dieu. J'avais quand même une grosse liste parce que j'ai comme 5 desserts environ à faire. Puis là, je trouvais pas du lait Eagle Brand, donc du lait condensé sucré. Il y en avait juste plus. Il y en avait plus de la marque du IGA, il y en avait plus de la marque Eagle Brand, il y en avait plus en stock. Fait que là, j'étais vraiment frustrée parce que c'est un peu la base d'une des recettes. Mais j'ai eu la chance parce qu'en s'en venant. Et ça a pris beaucoup de temps à Karine à comprendre ce qu'est la différence entre du lait Hey! condensé et du lait évaporé. Arrête donc! Mais j'ai eu la chance parce que en s'en venant au dépanneur, il y en avait. Fait que j'ai pu en acheter au dépanneur. C'était plus cher, mais au moins j'en ai, tu sais. Mais genre, l'ingrédient le plus important que j'avais besoin aujourd'hui, j'ai besoin de la gélatine. Dans le fond, c'est pas du Jell-O, c'est vraiment la gélatine pour pouvoir faire mes bonbons. Mais il n'y en avait plus en stock.
il y en avait juste plus en stock. Puis ça, ça prend 2 jours à prendre. Comme à solidifier. Fait qu'il fallait, l'idéal, j'y fasse aujourd'hui. Mais là, il y en a plus. Puis j'ai pas le temps, ou j'ai pas envie d'aller au maxi, ou d'aller au métro, ou peu importe. Que demain, ma mère va aller au métro. Puis s'il y en a, je vais aller chercher à son travail, là, comme c'est proche. Parce que faut au maximum que j'y fasse demain. Hein. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Puis je veux les faire, mes bonbons. Je vais vous montrer après qu'est-ce que j'ai acheté. Il y a beaucoup de choses. C'est tout ce qu'on a acheté! Bon, je vais commencer par... Tiens, je vais me lever. Petits couleurs. Quoi? Karine, c'est petits couleurs. Ok, attendez, on va commencer par là. Fait que j'ai acheté 4 paquets de sucre à glacer. Dans le fond, ça m'a coûté 75$ pour les desserts. Bon, enfin, je fais tous les desserts, mais bon. Fait que les sucre à glacer, je pense que j'ai 4 paquets. Du lait 2%, on avait besoin de guimauve, j'avais besoin des petits, il en restait plus, fait que tant pis. Parce que tous les trucs à pâtisserie, là... Il y en a trop. Ouais, non, c'est pas ça. Je veux dire, c'était dernière minute, hein. Parce que tout le monde en avait déjà trop acheté. Fait que pour mes brochettes de fruits en forme de Père Noël, des raisins verts. Pour les brochettes de fruits, j'ai aussi besoin juste du fromage comme cheddar blanc. Qu'est-ce qui est vert pour ça, le Père Noël? Non, mais ça fait la tête du Père Noël, ça. Sa tête est pas là. Non, mais ça fait couleur de Noël. Ça doit être blanc, sa tête. Blanc, c'est la barbe. Okay. Fait que c'est ça qui fait la barbe, le fromage. J'ai des colorants alimentaires. Ça. Ça, c'est l'extrait de menthe poivrée et de menthe. En tout cas, c'est pour dans les brownies à la menthe. Il y a un étage de menthe. Les fraises pour faire, dans le fond, je fais les chapeaux de Père Noël avec les fraises. Ça, c'est le lait condensé sucré que j'ai trouvé. De toute façon, le monde me dit que le choix du président était aussi bon que la marque Eagle Brand. Donc, on a eu 2 jus de pomme gratuits, là, parce que ça, c'est ça, là, parce que ça nous a coûté cher. 2 jus de pomme gratuits. J'ai pris, là, il y a plein de trucs, là, c'est noix hachées. C'est pour les desserts. Okay, j'ai acheté du papier parchemin, parce que... Pour les desserts aussi. Je vais pas dire pour les desserts, parce que c'est comme peut-être pour les desserts. Fait que j'ai pris ceux de la marque Hershey, les mi-sucrés. Je pense que j'ai 3 paquets. Ouais, 3 paquets. J'ai. On va pouvoir mettre dans les bananes. Tu vas-tu en faire geler un peu? Ouais, c'est une bonne idée. Des paquets en morceaux. On a acheté 2 tourtières. Que j'espère qu'elles sont bonnes. Mais Karine aime la tourtière, pas moi. Ouais. Pour moi, c'est bon, la tourtière. Les noix de coco sucrées, dans le fond, hachées, là, pour les desserts aussi. On a acheté d'autres fromages. On a acheté le moine parce qu'on y avait déjà goûté et il est bon. Donc, on a pris ça. Puis, c'est lequel qu'on a pris? Ah, ben, le Oka classique qu'on a acheté aussi. C'était plus cher qu'à la fromagerie, là, mais c'est correct. Donc, du beurre. J'ai déjà du beurre non salé pour les desserts. Tabasco, crème à l'ancienne, 35%. On a acheté 3 sauces Saint-Hubert pour la dinde. Hey, il faut que tu regardes pour la dinde, qu'est-ce que tu voulais acheter d'autre? Tu sais, les sauces? Je vais regarder. Quoi? Ça n'a pas été sûr. Fait que pour mes bonbons, dans le fond, il fallait du jello. Fait que j'ai pris aux fraises. Des ringolos au barbecue. Tout pour le party de Noël. Il fallait du cacao. Fait que, cacao, c'est... J'ai acheté 2 paquets, là, pour être sûr d'avoir assez de la chapelure pour les desserts. Ça, c'est de la ficule de maïs, c'est ça? Ouais, ouais. Ficule de maïs. 2 jus d'orange. Puis moi, comme je vous dis, j'aime pas tant l'alcool. Fait qu'on a acheté... Les couleurs, ils étaient à 4 pour 5. J'ai acheté 4 sortes pour les goûter. Celui-là, c'est genre... Berry, celui-là c'est tropical, celui-là c'est mangue daiquiri et l'autre c'est aux pêches. Quoi d'autre? Anthony a acheté la bière Sapporo. Elle est en rabais, à 14$. Ouais. Au lieu de 19, je pense. Ouais. Des Oreos pour les desserts, dans le fond, il faut que j'écrase des Oreos. Des chips au ketchup, c'est l'autre jus de pomme. C'est pas mal ça. Hein? Ah! Je suis assise sur quoi? Ah, mon papier, je suis pas chemin. Puis des patates. Parce qu'on va faire les patates pilées. C'est pas mal ça, je pense qu'on a acheté. On n'a même pas montré qu'est-ce qu'on a acheté au Dollarama. Oh, Anthony, dis qu'est-ce que t'as acheté au Dollarama. Pour tes frères.
Un jouet? Monte-le! Prends le sac! C'est une joke, c'est ouais, c'est une joke, je sais, mais monte-le pareil! Monte-le si on a chaud de l'eau, en fait. Pourquoi? Oh, de l'eau! De l'eau? Oh, de l'eau! J'ai acheté ça pour mes frères! Parce que dans le fond, c'est 2,50. Je vais laisser le 2,50 et puis je vais leur donner ça, je vais faire aux deux. Fait que c'est comme vraiment cheap, 2,50 pour deux personnes, un cadeau. Et ouais. Puis, et puis, en arrière, je vais mettre des enveloppes avec un vrai cadeau qui est sûrement un faire cadeau ou whatever. Ouais. Voilà. Fait que c'est pas vraiment ça leur cadeau, là. Mais c'est pas, catchy. Mais le pas en ligne avant Noël. Non, ils vont pas le voir parce avant Noël. Parce que mon frère regarde tes vidéos. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est une joke, en gros. Montre que le reste qu'on a acheté. Ah, ça c'est du manger qui a coulé. Arc! Ça a tout coulé! Yeah. Arc! Là, ça coule sur... Arc! Anthony, je te l'avais dit, ça coulerait. Non. On a raviné la poutine. Oh là, c'est dégueu, ça coule tout. On va nettoyer. Ah, oh, yark! Deux plats. Ok, mais. On va nettoyer. Mais là, à l'envers, c'est pas qu'on salisse. Ah, oh, yark! Des lingettes à l'orange qu'on va bientôt utiliser pour nettoyer. Pour nettoyer la poutine qui vient de couler. Bon, ok, bon. On a acheté plein de bonbons pour mettre dans les pots là, à Noël. Un okay. Lighter parce que Karine n'est pas capable d'utiliser un lighter normal. Ouais. Pour allumer les chandelles. On en a deux. Ça se vide vite. Pour faire des brochettes de fruits. Ouais, des genres de. Des fruits pour brochettes. Des bonbons d'hiver. Des sacs parfumés pour la poubelle à la cuisine. Puis de la salle de bain. Des petits chocolats. C'est pour Noël en fait là. Des cure-dents. Ouais, c'est quand on fait des gâteaux ou quoi que ce soit. Pour voir si ça colle. Encore des petits chocolats. Des petites décorations pour les cupcakes. Petits gâteaux. Je vais vous montrer. Ça comme ça. Des bols à chien. Des bols à chien. Mais pas... On va mettre des bonbons dedans. Bien sûr, c'est pas dans les bols à chien qu'on a pris ça. Ah, ça c'est pour moi. Oui, non. Et du jus d'orange en poudre pour quand on a mal poigné. Non, ouais, il est bon. C'est ça. C'est ça, le sac de vie. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va manger pour souper? Je pensais manger ça, mais si c'est encore comme ben ça. Mais là, on va pas remanger la poutine qu'on a mangé poutiner. Moi, je pensais finir ma poutine, c'est pour ça que j'ai emporté. Je vais pas emporter pour l'acheter. Et ensuite, il reste la pizza où on peut commander. Toi, t'aimes ça, commander de la nourriture? Non, je cuisine toute la semaine. Ben oui, c'est ça, le monde. Regardez, on filme juste la fin de semaine quasiment. Fait que là, vous allez tous penser qu'on mange tout le temps du restaurant. Moi, tous les jours, j'arrive à 10h, puis je cuisine au moins jusqu'à 11h30, ça me prend du temps de cuisiner. Je me cuisine pendant 1h30, alors la fin de semaine, j'aime pas cuisiner. Ouais. Fait qu'on mange pas de la bouffe de resto tout le temps, là. En fait, la semaine, madame en mange des fois, pas moi. Comment ça, madame en mange des fois? T'es allé au bel pot. Oh, ben juste cette semaine, parce que c'était... On était en déménagement, puis devant la nouvelle clinique, il y a un bel pro devant. Mais moi, je suis pauvre, alors je puis on avait pas de micro-ondes encore, fait que j'avais pas le choix de manger du resto. Regardez, ça y fait tout bien, son pantalon de bourgogne. Qu'on voit tes culottes, là, en arrière. Oh, en fait, il faut tellement enlever ça, là, pour Noël derrière. Non, mais laissez, ça fait si ça. Arrête, t'es dans une idée. C'est ça. C'est commandé, Anthony. Du chinois. Du chinois. Mais c'est vraiment un chinois, c'est là, ou c'est Thaï, ou je sais pas quoi. Non, c'est un. Ben, c'est chouané chinois, là. C'est pas vraiment de Chine. Mais bon. Bon, fait que, on a commandé un combo pour deux, mais comme. You know. Il est énorme, il va nous en rester. Fait que, comme juste ça, quatre, là. Quatre est gros. On pensait qu'il y en avait deux, il y en a quatre. Bon. Ensuite, ça, c'est du poulet sogaï. Poulet sogaï. Du poulet pané, hein, ouais. Ouais. Des côtelettes à l'ail. Ça, moi, j'en mange pas. J'aime pas ça. Ici, c'est des noix wonton, mais frites. Ouais, ça, on a eu ça gratuit, on avait ouais, un coupon. Ça, c'est la première fois que je vois de même, mais c'est censé être du poulet tao. Général Tao. Bon. Il est vraiment rouge. Ouais. Ben, c'est la première fois moi aussi je vois le même. C'est du général qui est à la guerre. Ensuite, du riz frit au poulet. Ouais. Bœuf brocoli. Ouais, j'aime trop les brocolis. Petit macaroni au bœuf. Et puis ça, ouais. C'est les petites sauces qui vont avec les choses. Là. Bon appétit! Bon appétit! Mon assiette. Donc, j'ai un truc de soupe wonton cuit. Là.
un rouleau impérial, 3 morceaux de poulet, le morceau général Tao, des brocolis. Dans le fond, j'ai pas pris de bœuf, là, juste des brocolis. Puis du riz. Dans le fond, on a carrément séparé le riz en deux. Là, c'est pour ça qu'il y en avait beaucoup. Puis c'est tout le monde. Donc, en ce moment, on écoute Zest. Puis on a fait une sieste. Parce qu'après avoir mangé, okay, on a juste trop mangé. J'ai même pas fini mon assiette. Comme des petits ours. On fait la sieste après de manger. Je sais pas si vous avez entendu, mais c'est ça. On est comme des ours, Anthony dit. On fait la sieste après avoir mangé. Donc là, on écoutait une émission à Zest. C'est quoi l'émission? Le Noël de Gordon Ramsay ou quelque chose comme ça. Noël ouais. Individuel. Donc. En gros, c'est de là que j'ai piqué ma recette de dinde. Ouais, ben c'est ça. On a trouvé. Ben, sa recette de dinde est vraiment facile à faire. Puis ça doit être super bon, là. C'est sûr que c'est bon, là. C'est du bacon. Ouais. Fait qu'Anthony. Anthony s'occupe de la dinde, hein? Mm-hmm. Anthony s'occupe de la dinde. Puis j'espère que ça va être bon. Puis là, j'ai goûté. En fait, j'en ai goûté à deux, là. Tantôt, j'ai goûté à ça, là. J'avais acheté les couleurs, là. Parce que moi, j'aime pas tant l'alcool. Puis ça goûte les fruits. J'avais goûté tantôt à celle aux pêches. C'était avec du vin. Je bois jamais d'alcool. Je bois jamais d'alcool. À part des Bloody Scissors, je bois jamais d'alcool. Que j'avais goûté à celle avec du vin et pêche que j'ai aimé. Mais là, parce que c'est 4%, Anthony est comme, est-ce que tu veux que j'aille t'en acheter d'autres demain? Fait que je me suis dit, ah, j'ai goûté à un autre saveur, puis j'ai pris elle, là. En gros, elle aime ça parce que ça goûte pas du tout l'alcool. Ouais. Fait que mango daiquiri, puis il est vraiment bon. Ça goûte vraiment la mangue, puis c'est vraiment bon. Donc, c'est pas mal ça, là. J'attendais pour éditer un vidéo, puis après, je vais devoir faire mon voice-over.